C'est une légende que personne ne va oublier. Tout le monde pensait que le roi Koopa avait quitté le royaume des champignons. Mais c'est alors que son vaisseau damné attaqua. Le roi Koopa était à nouveau là, avec les plus grands dangers jamais connus. Revint toute la famille Koopa. Et c'est avec leur nouveau super pouvoir que les frères Super Mario, à ce moment-là, sauvèrent la princesse Toadstool. Et ils ont à nouveau vaincu la maléfique bande Koopa. J'attraperai ces plombiers! Hey, princesse, je crois que je l'ai trouvé. Vite, Luigi, fais-moi voir. Luigi, tu as réussi. Je cherche la carte de la boîte à musique du danseur maudit depuis des années. Viens, il faut le dire à Mario. Ça pourrait être le début de la fin du roi Koopa. On dit que la boîte à musique du danseur maudit a de grands pouvoirs magiques. Si la manivelle tourne vite, les gens dansent de plus en plus vite. Si elle tourne lentement, les gens ralentissent et s'arrêtent. Hé ! Grâce au danseur maudit, on pourrait facilement contrôler le roi Koopa et toute sa tribu. Allons vite le chercher. Il est caché dans le temple du Pays des Ténèbres. Le Pays des Ténèbres ? Mais c'est le royaume de Koopa. Et puis, je déteste danser. Calme-toi, Luigi, on est des as. Allez, suis-moi. Pourquoi ai-je l'impression que cette aventure pourrait nuire à ma santé? Dès qu'on aura le danseur maudit, tout sera bien plus compliqué pour Koopa. Allons danser le boogie. Qui m'écrase le pied? Silence! Tu veux vraiment réveiller les morts? Tu ne veux pas que Koopa nous trouve dans son royaume, si? Plus fort, Bobiche de Pite, tu vois pas que je suis enrhumé. Ouais, c'est Chatan et Plombier sont ici au Pays des Ténèbres. Chatan Plombier, c'est quoi? Chatan Plombier. Pas Chatan Plombier, Big Mouse, Chatan et Plombier. Je préfère ça. Si c'était les satanés plombiers, on aurait eu de sérieux soucis. On a de sérieux soucis. Cherchons les frères Vario et toi, tu dois les stopper. Oui, Papa Roi. C'est d'accord. On va stopper ces frères Vario. Ne restez pas là, plante-là. Vieux os va vous montrer leur trash. Suivez cette momie. On arrête les frais! Impossible de sauter aussi loin! Pour un frère comme Mario, Luigi, rien n'est impossible! Oh! Essaie de déplacer ces pierres, Mario! En avant la musique! On est presque arrivé au temple des ténèbres. Une armée de vieux os. On va faire trembler et s'entrechoquer tous ces sacs d'os. Je t'ai eu. Non, apparemment je ne t'ai pas eu. Je t'ai eu. Tu as attrapé. J'y suis. Ces tortues reçoivent une raclée et elles en demandent. Faire de
de plus. Fracasser ces pierres. Temple des ténèbres, nous voilà. Vite, vite. Oh, c'est pas possible, regardez. Ces Mario sont forts. Qu'est-ce qu'ils mijotent donc? Le tout petit gars, entré en douce dans le royaume des ténèbres, ça me rappelle... Je déteste les intrus, sauf si l'intrus c'est moi. Quoique les frères Mario puissent mijoter, on doit les arrêter. D'après la carte, le danseur maudit est dans le temple intérieur, juste derrière cette porte. Ils ont une carte de la boîte à musique du danseur maudit. Papa Roi a toujours dit que ce danseur n'était qu'une légende. Non, il doit exister. Si Mario s'en empare, on sera condamné à être gentil pour l'éternité. Il contrôlera tout, on dansera, on chantera, on fera des claquettes. Si on l'a trouvé, et on la lui volera. Oui, montons une embuscade. Bonne idée. Passe-moi ta corde. Ah non, pas ma corde préférée. Elle a beaucoup trop de valeur. Elle est riche en histoire, cette corde. Notre arrière-arrière-grand-mère comprend. Avec ça, les frères Mario vont faire un agréable voyage au pays des ténèbres. C'est vraiment là. Attention Mario, un monstre. Wow. Je la tiens. Koopa et Big Man s'emparent du ballon. La foule hurle. Non, je la tiens. Ah oui, eh bien c'est moi qui l'ai maintenant. Oh, Billy, mon frère, mon ami. Ce truc ne marche pas sur moi et Chitty, hein? Je veux dire, tu ne vas pas nous faire danser ton frère préféré et ainsi, n'est-ce pas? Essayons d'abord lentement. Puis essayons une marche. Je suis le roi Koopa Bouli, le nouveau maître du pays des ténèbres. La boîte à musique du danseur maudit. Bravo les petits copains. Laissez-moi l'essayer, Bully. Tu n'es pas sérieux, ex-papa roi. Je vais régner sur le monde entier. À commencer par toi. Quoi? J'ai les oreilles bouchées. Je t'entends pas. Parle plus fort. Il ne m'entend pas. Oui, Bully. Donc tu ne peux pas le contrôler. Chonne-la moi. En avant la musique. Vous croyez qu'il aura pitié? Oh là là! Je déteste danser! Papa Roi va le payer cher! Oui, c'est cher les cours de danse! Oh, j'adore cette chanson! Je peux faire danser pour l'éternité tout le royaume champignon! En avant la musique. Everybody do the Koopa. Everybody shake your scale. Party pooper!
C'est drôlement dur, mon bras fatigue. Hé, hey, Luigi, tu as sur toi du mastic de plombier? Hé, hey, Mario, bonne idée. Quoi? Hé, hey, Mario, tu me fabriques, fais-moi la référence et pèse-moi les pieds. Haha, ça jamais, Koopa. Je la fiens, je la fiens. Lève la tête, Toad. Je la fiens pour de bon, le danseur Body est à moi. Oui, mais nous on a la manivelle. Je me suis coincé une griffe. Ah, je vais t'aider, papa chéri. Elle est en mille morceaux. La moutarde me monte au nez. Je crois que c'est le moment de partir. Regardez ce que vous avez fait. Oh là là, je commence à bouillir. Vous m'avez déjà vu en colère. Eh bien, vous allez voir. Ah, on dirait que les Koopas reprennent leur refrain habituel. Ces satanés frères Mario doivent mijoter quelque chose de très spécial. Rentre les spaghettis, Mario. Hey, je vois pas pourquoi on doit porter ces drôles de costumes de pingouin. La princesse y tient absolument. Elle sera sur son 31 et veut que nous soyons élégants. Je suis prêt. C'est ça une tenue habillée? Prochain arrêt, le monde réel, New York et mon groupe de musique préféré. Hé, hey, les amis, pourquoi tant d'élégance? On va à un concert de Milli Vanilli, pas à une symphonie. Désolé les gars, mais j'ai vraiment du mal à comprendre les coutumes bizarres du monde réel. Ça va. Le public va être tellement pris par les Milli Vanilli que personne ne remarquera vos vêtements. Un concert de Milli Vanilli? Je me demande ce que va en penser Cootie Pie. Mon chou, mon trésor. Et surtout, n'essaye pas de m'amadouer. T'amadouer? Je veux voir Milli Vanilli. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Oui, mon tout petit. Non seulement tu verras les Silly Willy. Mais tu garderas pour toi seul Milli Vanilli. Milli Vanilli. Ils seront rien qu'à moi. Pour de bon, papa chéri. Trop cool. Oh, je vais aller me changer. J'ai vraiment hâte que tu les ramènes ici, papa roi chéri. Pas moi, nous, cher Chidi. Nous les ramènerons. Mets en route le bateau funeste. Bonjour, New York!
Je n'avais encore jamais vu autant d'amygdales. Et pourquoi on ne nous applaudit pas aussi fort chaque fois qu'on répare une fuite? Ah, c'est à cause de la pluie. Le roi Koopa arrive. Ah, 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 ah. Super. Oh non, c'est impossible. Ah, je ne connais qu'un seul reptile sournois et faucheton pour pouvoir rire comme ça. Mais c'est terrible. Milly Vanilli a été coupnappée. Si on arrive à temps au château Koopa, on pourra peut-être les sauver. Allez, filons. Bienvenue au château Koopa. Bonjour les gars. Je vous attendais. Hé, hey, qui est l'auteur de cette plaisanterie de mauvais goût? On a un concert à donner. Pas si vite. Vous allez jouer pour moi maintenant. J'adore tes Rasta. Oh, moi je n'aime pas les queues ni les lèvres couvertes d'écailles. Sachez bien que je suis un reptile royal et que je vous ordonne de me jouer un concert en privé immédiatement! Et si nous refusons? Je vais vous transformer en comptable! Des comptables? Comptables. Oh, voilà une bonne. Bien bonne! Oh non! On est des ragas! Des ratés! Quelle horreur! Fais-nous redevenir des gens normaux tout de suite! Jamais! Vous devez faire ce que moi je veux! Oh! Vous êtes prisonniers du pays des ténèbres et c'est pour toujours! Si vous ne donnez pas un concert spécialement pour moi, je vous transformerai en coccinelle. Super. Qui veut être un groupe des années 60? J'ai mieux. Je vous transformerai en Pitooties. Jamais entendu parler. Ils ont sorti un album. Écoutez, Miss Reptile, on ne peut pas donner un concert pour vous. On n'a plus d'orchestre. Eh bien, vous resterez des comptables jusqu'à ce que vous en trouviez un. Si ces deux comptables ne redeviennent pas les Milly Vanilli, je n'entendrai plus jamais ma musique préférée. Ne vous inquiétez pas, princesse, on va aller sauver Rob et Fab des griffes de Cootypie. Les sauver? Les sauver? Nous? Et comment? Comment? Tu as entendu ce qu'a dit Fab? Il leur faut un orchestre pour donner leur concert à Cootypie. J'ai pigé, Mario. C'est l'heure du rock'n'roll. Ah! J'aurais aimé qu'on ait le temps de répéter. Pourquoi faire? Aucun de nous ne sait jouer ces airs-là. Tu connais un meilleur moyen pour entrer dans la salle du trône? Venez! C'est un prétexte ou quoi? Mais non, pas du tout. On ne peut pas chanter pour toi sans orchestre. Papa Roi! Il fallait m'amener un orchestre! Un orchestre! Un orchestre! Je veux un orchestre! Oh, c'est la fille du premier rang à notre concert! Votre plus grande fan! Chut! On est là pour vous aider. Salut, nous sommes le célèbre orchestre ambulant, l'orchestre intérim.
Vous connaissez quelqu'un qui ait besoin de nos services? Waouh! Moi, je sais faire une colère. Je n'ai jamais obtenu ce que je voulais aussi vite. Et maintenant, je vais avoir mon concert privé, rien que pour moi. Mais qui va chanter avec nous? Ces deux comptables? Ce ne sont pas des comptables. Ils ont pourtant l'air de comptables. C'est ce que tu crois? En fait, ce sont les Milli Vanilli. Prouve-le. Par quoi on commence, cher maestro? Peut-être par « Chérie, tu sais que c'est vrai ». Un, et deux, et... Il est temps pour vous de regagner votre concert du monde réel. Quoi? Eh? Quoi? Eh? C'est mon concert! C'est moi qui dis quand c'est fini! Papa Roi! Papa Roi! Mon concert a disparu! Si tu ne le ramènes pas, je hurle! Alors hurle! Je préfère ça à cet autre bruit! Si tu ne les poursuis pas, eh bien, j'irai les chercher moi-même! Non, non! Pas de ça! Si tu ne me promets pas de les oublier, je t'enferme dans le donjon! Le donjon? Bon, bon, je promets. Après tout, ça devait se finir à un moment. Cette musique était trop belle pour durer. Vous ne croirez jamais où nous étions, mais nous sommes revenus grâce à quelques nouveaux amis. Cette chanson est pour une vraie princesse. Un, et deux, et trois.